Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog avec... Coucou Lolo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Lolo. Pourquoi? Elle nous a abandonné, elle est partie au Japon. Mais je lui ai ramené des cadeaux. Elle m'a ramené plein de cadeaux. Et du coup je vais me permettre de faire une autre vidéo d'ailleurs. Ça c'est adorable, mais je vous en dis pas plus, vous aurez la surprise. Aujourd'hui petit vlog mais un peu spécial. On a prévu des activités, des endroits, des choses qu'on voulait faire. Mais à chaque fois on a chacune fait un choix. Et on va se battre à pierre feuille ciseau pour choisir quelle activité, enfin quel choix on fait. La première, alors moi je t'avoue, j'aimerais bien gagner celle-ci parce qu'il fallait réserver et que j'ai mis une petite empreinte bancaire dans le truc. Moi aussi c'est sur Reza. Ah ouais? Mais j'ai pas mis d'empreinte bancaire. Il y avait pas d'empreinte bancaire? Ok, bon, ça va. Est-ce que tu veux me dire toi ton activité que t'as choisi et après moi je te dis la mienne? Ouais, vas-y. C'est quoi ton activité? Alors tu vas être très surprise me connaissant, c'est des chats et de la peinture. Ça a l'air génial, j'adore les chats et j'adore la peinture. Tu vois le kitten yoga, puppy yoga, tout ça machin, ouais. Bah c'est un peu la même chose mais avec des chatons et du coup on fait de la peinture, on dessine. On fait de la peinture avec des chats genre? Ouais. Pas sur des chats. Hein. Oui, pas sur des. Bah, encore heureux parce que maltraitance animale, pas ouf. Non, mais ça a l'air génial. Ouais, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, je me suis dit, c'est trop bonne idée. J'avoue que peu importe l'activité, là, je pense que je serais contente. Parce que mon activité, elle se rapproche un peu de la tienne. D'accord. C'est pas exactement pareil, il n'y a pas des chats. Okay. Mais il y a de la peinture. C'est un atelier de peinture sur céramique. Je connais, j'en ai déjà fait un. Ah, mais il y a longtemps. Et ah ouais, j'avais fait une tasse genre de la Corée. Et ah comme oui, là je viens de partir au Japon, il fallait que je fasse une tasse du Japon. Du Japon, voilà. Putain, merde, je t'ai pas filmé, j'espère. Vous avez pas vu sa réaction, mais elle était... Si vous avez regardé la vidéo où on parle de nos voyages, c'est oui, vrai que t'as ta tasse de Corée. Moi je sais pas ce que je ferais, mais je sais que c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. De l'atelier sur céramique, j'arrête pas d'en voir. Il y a un petit café pas loin de chez moi aussi d'atelier okay, sur céramique, mais il fallait des Reza dans longtemps. Et là j'en ai trouvé un. Vraiment, on a eu trop de chance, il restait un créneau. Donc j'ai tout misé là-dessus. D'accord. Si on gagne, je suis hyper contente. Ok. Parce qu'on offre une bancaire, elle sera pas pour rien. Mais en vrai, les deux activités ont l'air trop cool. Mais même moi, ça, je suis contente des deux. Bon, alors ça va. Parfait. On va faire le pierre feuille ciseau en trois manches. Comme ça, il y a un peu plus de suspense. Ouais, on a changé. Vieille, hein. Vraiment, pierre feuille ciseau. Je... Mais de toute façon, c'est du hasard. Donc tu peux pas. Enfin, moi j'essaie d'avoir. Des gens, ils ont des techniques. Ouais, moi j'ai un aspect un peu psychologique. Je me dis ah, mais je peux pas te donner mes techniques parce que sinon, non, mais... sinon tu vas gagner. T'es prête? Je t'avais dit que j'étais une pile. Non mais ça va. Il reste deux manches. Tu peux encore monter. Je vais te donner un coup de poing. Ok, attends. En vrai, faut que tu fasses une remontada. Moi, plus qu'un et je gagne. Ok. J'avoue, t'es une pilote. 0-3. Ma carte bancaire, elle va pas souffrir. Enfin, si, elle va souffrir parce que je vais leur payer, mais oui, pas pour rien. Bon, c'est la première manche. Il te reste encore plein de choses pour remonter. Il y aura des choses où tu peux gagner. J'y crois, allô. Ou m'humilier davantage. Mais non, 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 on va pas t'humilier davantage. T'es contente quand même. En vrai, je suis super contente. Bon, ça va alors. J'ai essayé de trouver un truc qui pouvait nous plaire à toutes les deux, donc je suis contente. L'endroit où on va, c'est la papoterie. Petit café. Voilà, on prend l'objet qu'on veut. Je crois que ça dure 2h30. Enfin, on se retrouve à la papoterie et on va vous montrer nos super belles œuvres. Je suis une bille en peinture. Je pense. Je pensais que t'avais craché. Bah, je te voyais trop comme une meuf artie avec... Ouais, en vrai, il y a un moment donné où je dessinais beaucoup, je faisais beaucoup de peinture et tout, mais ça remonte. Mais faut vraiment, si j'ai le temps, j'arrive à m'appliquer, j'arrive à faire un truc stylé. Mais là, en 2h30, je sais pas trop, j'ai jamais testé en plus sur, sur autre chose que du papier, quoi. Ok. Donc du coup, je sais pas trop, mais bon, on va voir, hein. On vous montrera nos œuvres. J'ai hâte. Let's go. Du coup, Malo, qu'est-ce que t'as pris comme petit? J'ai pris cette tasse. Une grande tasse. Est-ce que ça m'étonne? Pas du tout. Qui au chocolat? Qui au choco? Un chai latte, évidemment. J'ai pris aussi un chai latte et un petit cake citron rose. Et j'ai pris cette forme. Ça, c'est les inspi de l'eau. Voilà le mont Fuju, comme vous pouvez voir. You had one job. You had one job. Et moi du coup je vais essayer de faire ça. Je pense que je vais faire un bleu sur une face et un rouge sur l'autre. Regardez. Je suis en train de... Je slay là. En vrai ça passe. Faut juste que j'élargisse un peu je pense. Mais je trouve ça va hein. T'es dur envers toi-même. Ouais, mais je suis un peu perfectionniste sur les bords.
Tu t'en sors, Malo? Mais bon, c'est allé de mon tava. Je suis en train de dessiner un tori. Ouais, un mont Fuji. Mais tu gères de ouf. C'est trop beau, je te jure. Quand ça va être peint, ça va être trop joli. Waouh! J'ai peur de ce que ça va donner lui quand il aura séché, hein. Je suis pas rassurée là. Franchement, elle est trop belle. Moi, c'est comme le haut à paillettes que j'ai acheté. T'as géré. On est sorti de la papoterie, t'en as pensé quoi, Lo? J'ai bien aimé. T'as bien aimé? Ah ouais. Franchement, moi j'ai adoré. C'était un peu court. Sur la fin, on a dû sprinter pour pouvoir finir notre œuvre, notre superbe œuvre. Franchement, t'as trop géré. Moi, j'aime trop ce que t'as fait. Non, mais moi, j'aime trop ce que t'as fait aussi. Je suis fière de nous. Moi, c'était la première fois. Donc, et j'ai adoré. Je trouve ça détend. C'est cosy. C'est un bon moyen de faire une petite activité sympa. Comme les filles à côté de nous, elles étaient. Les filles à côté de nous étaient très cool. Moi, je pense que c'est un bon moyen aussi de faire des rencontres. Genre. Ouais. J'ai perdu une bague dans la foulée. Donc, si vous voyez plus de bague, c'est normal. Mais bon, j'espère la retrouver chez moi avec un miracle. Mais c'est un détail. J'ai hâte de venir récupérer. Elle a dit quelle date déjà pour venir récupérer? 17 août. Ils sont fermés pour les JO, du coup on va devoir attendre un mois et demi pour récupérer. Mais j'ai tellement hâte de la récupérer et de voir les couleurs, comment elles vont ressortir. Parce que du coup là c'est pâle, une fois que c'est cuit etc, toute la couleur ressort. On va avoir les vraies couleurs à la fin et j'ai vraiment trop hâte. Et ce qui prend du temps, c'est de passer 3 couches. Parce que du coup si on passe qu'une seule couche de couleur, c'est très pâle. Tous les petits traits qu'on fait, il faut les faire au moins 3 fois, donc c'est long. Au début je suis en mode ouais ça va et tout. Là je vois il me reste 1 heure, il me reste tout un personnage entier à faire. Je fais ok, je suis dans la merde, mais je m'en suis sortie. Côté boisson et nourriture, on a pris toutes les deux le chai latte. Je recommande pas parce qu'il avait pas énormément de goût. C'était fade. En fait tu sens bien les épices qu'il y a au-dessus, mais le liquide en lui-même est fade. Par contre le gâteau que j'ai pris, ça va, il était bon. Moi, ça c'était pas incroyable, mais ça va. Elle est éteinte. Non. Ça t'a détendu. Oui, c'est plutôt ça. Genre, je suis contente en vrai. Ok. Bon, bah, ça va. Je suis contente. T'es contente. On est contente. Bon, prochaine activité, non? On s'est décidé. Moi, j'aimerais bien aller dans un coin où il y a pas mal de galeries d'art. Et moi, team Pri-Pri. Bah non, on est 3. Non, bah oui. Bah, ah, mais non, mais au bout de 3. Enfin, t'as gagné 3 fois quoi. Ah! Mais la dernière fois. Bah non, tout à l'heure on a fait. Oui, donc là t'as 2, j'ai 1. Là t'as gagné, voilà, je suis niquée. Ouais. C'est bon. Ok, bon, bah Pri-Pri. Moi j'ai aucune adresse donc je suis. Ok, hein. Ok, let's go. Ouais, j'aime bien la couleur, elle est belle. Ah regarde, derrière il y a un petit... On a un kiff sur cette robe. On dirait un peu une robe de princesse genre. Celle qui gagne, elle essaie la robe. Allez, viens. Je t'ai fait un 3-0. En fait, je pense que ça va pas du tout m'aller, mais je vais essayer, hein, vas-y. Je m'en vais. C'est tellement pas moi en fait. Hein. En fait, c'est que je la trouve un peu longue. Ouais, d'accord. Ouais. Her face is a map of the world, is a map of the world. You can see she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. And everything around her is a silver pool. Lo a fait des emplettes, elle a craqué, clairement. Mais en vrai, franchement, tout était trop beau, tu vas être refaite pour l'été là. Hein. Oui.
Bon, comme vous l'avez vu, il y a un petit truc derrière nous. Bon, on va se prendre un petit truc à boire, on va aller jusqu'aux Tuileries marcher. Celle qui perd, elle paye la boisson à l'autre. Ça va. Moi, je pense que je vais prendre un sésame latte. Toi, tu prends quoi? Tu sais déjà? J'ai vu un truc aux fruits là qui me dit bien. Okay. J'ai oublié ce que c'était déjà en 30 secondes. Bravo, elle a Alzheimer, ça va pas du tout. Je viens pas juste de mettre dans ce mic dans tes fringues que je peux lui payer cette boisson. Eh, attends, ça se trouve, c'est moi qui te la paye. Allez. J'ai dit que j'étais hippie. C'est un truc de c'était la chance du débutant tout à l'heure. Et tout à l'heure t'as fait un 3 genre d'un coup. Et là. Ah allez, un petit sésame. Je suis bon. Merci Jo. Aïe. Regardez cette star avec son. Franchement, il a l'air très bon hein. Granité manque passion. Ah, c'est frais. Je t'en souviens. Oui, tu t'en souviens du coup. Two trees. Thank you, ça. Tu te moques de mon trees, mais finalement, t'écris aux étoiles. J'ai presque la même chose que toi. Ah ouais, c'est le même premier. On est de nouveau avec Chloé. On a fini notre petite boisson. D'ailleurs, je recommande le café. Hein. Le sésame noir était excellent. J'enlève mes lunettes, ça fait des reflets, c'est chiant. On va aller se poser pour manger. Et on a fini notre expo aussi. Ah oui, on est passé devant une petite expo. Franchement, elle était très sympa. Ouais, grave. On a même eu des petits fortune cookies. Ah oui, c'est vrai, on les a pas ouverts. Ça te dit, on finit le vlog là-dessus, on les ouvre tout à l'heure pour voir le mot qu'il y a dedans. Vas-y. Faut pas qu'on oublie. Pour le repas de ce soir, j'ai choisi un truc que je veux tester depuis longtemps. C'est la piadinerea. Parce qu'ils font des piadines hein, qu'on retrouve en Italie. Et c'est trop bon et j'en ai pas mangé depuis que je suis allée en Italie cet été. Quand j'ai vu ça passer sur TikTok, Insta, parce qu'ils ont ouvert pas mal d'adresses, je me suis dit il faut que je teste. Et toi t'as choisi quoi? Un coréen, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. En vrai j'adore le coréen, donc en fait peu importe les deux me vont là j'avoue. Mais j'avoue, ce serait cool que tu gagnes parce que ma pauvre, t'as tout perdu depuis. T'as quasiment tout perdu, t'en as gagné un. C'est quoi que t'as gagné déjà? La friperie. Oui. Tout ça pour me ruiner. Tout ça pour se ruiner, et vraiment elle a dépensé tant d'argent mais en même temps tu seras fraîche pour l'été. Donc, c'était un bel pour rien finalement. Finalement. Le match positif, j'adore. Bah oui, faut voir le positif dans la vie. T'es prête? Oui. Le match ultime. Oui. Je crois que je t'ai battu là. Oui, 3. C'est pas grave. Oh non, mais l'eau, c'est catastrophique. Ma pauvre. J'ai de la peine pour toi. Mais ça te va la piadine? Moi ça me va de tester hein. Bon bah alors c'est tout ça de prix. Vas-y tu vas, j'espère qu'elle va kiffer parce que sinon elle va me détester. Genre vraiment toute cette vidéo t'as perdu ma pauvre. Je suis sorry. J'ai trop hâte de tester en vrai. Mais ça avait l'air beau sur les photos moi je... Bon vrai, bah allez va, hein. Let's go. On vous emmène. Allez, après. Moi je prends la solare avec jambon cru, stracciatella, roquette, tomate, pesto. Oh, oui. Il y a ma stracciatella, vous voyez la stracciatella? J'espère que vous la voyez. Hein. Le visage fait. Du plaisir. Ah, c'est trop bon. Tu vas kiffer, je trouve. C'est pas surcoté. J'ai hâte de voir ta réaction. T'avais pris quoi toi? Ah oui, à la truffe. Oh, ça sent fort. C'est trop bon. Ça sent bien. Ah, c'est super bon. Je suis contente d'avoir perdu. C'est super. Genre vraiment. Ouais. On fait le débrief, on se retourne. Si jamais on prend un dessert ou pas, je ne sais pas parce que tu vas voir, plus fort que ça en a l'air. Les gars.
J'ai retrouvé ma maille. Je suis encore en train de chercher dans mon sac. Je me dis, bon, ça se trouve, il y a un trou dans ma doublure, j'en sais rien. Pas tout. Je sors mes clés, enfin non, je sors mes écouteurs. Je me dis, ça se trouve, elle est emmêlée dans mes écouteurs et je l'ai pas vue. Pas emmêlée dans mes écouteurs. Et là, l'eau, elle me dit, dans tes clés, elle est pas emmêlée dans tes clés. Je sors mes clés. Elle était accrochée au trousseau. Parce que comme c'est une bague qui se tic-tic là, et ben voilà. Et maintenant, du coup, j'ai retrouvé ma bague. Et je suis trop heureuse. La journée s'est finie de manière parfaite. Il manque plus que ça. Et là, il me dit, tu vas finir en enfer, le truc. En tout cas, je suis trop heureuse. J'ai même eu un câlin tellement elle était contente. Ah non, mais. Ouais. En plus, les câlins, c'est déstressant. Il faut faire 10 câlins par jour normalement pour ne pas être stressé. Moi, j'aime bien les câlins, voilà. Ça me va. Je suis en gros déficit là. Mais du coup, on en rattrape un. On s'est posé sur un petit banc le temps de faire cette ouverture de gâteau de la chance. Et là, il n'y a pas de papier dedans, MDR. C'est nul. Et c'est joyeux ou pas? Ouais. Il y a marqué She lived with her mom. She does yoga every day. I am sitting down. Mais moi je pensais que ça allait prédire notre avenir là. Maybe je vais retourner vivre chez ma mère. Tu vas faire du yoga. Non, elle va se mettre au yoga. Elle va se mettre au yoga et tu vas t'asseoir. Hello. Il sort de là. Alors. I want to retreat. I know she is half crazy. It was a good one. Qu'est-ce qu'on en pense? I want to retreat. Ouais, why not? Peut-être c'est les vacances que je veux. Qui pourrait être à moitié taré? Moi? Non. Tu vois, en vrai, je suis un peu folle, mais dans le bon sens. Ouais, si on le prend dans un bon sens, oui. Et it was a good one, je pense qu'il parlait de la pialine. Voilà, c'était notre petite journée. Bon, la conclusion de cette vidéo. Je suis nulle au pierre feuille ciseaux. C'est vrai que ma pauvre, t'as gagné un duel quoi. Mais c'était un beau duel qui t'a apporté une nouvelle garde-robe. Et j'ai découvert une bonne adresse en vrai, on a très bien mangé. On a hyper bien mangé, franchement on recommande, c'était hyper bon. En plus c'était pas très cher. Bon, le truc de céramique, c'était génial. Moi j'ai kiffé. J'ai retrouvé ma bague donc en plus c'est génial. Les fripes, on a découvert des belles adresses. Putain, j'ai l'impression d'avoir vécu mille vies dans cette journée. Pas toi? Si, plus l'expo. On est tombé dessus par hasard, c'était sympa. Le café où on est tombé dessus par hasard est pareil, hyper sympa. J'espère que vous avez kiffé cette journée. N'hésitez pas à faire ça avec vos potes. En vrai, je trouve ça marrant parce que du coup, bah, t'as chacun un choix et en fait, ça te fait découvrir des petites adresses des fois. Donc, c'est sympa. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et à partager. Et sur ce, on vous fait plein de gros bisous. Salut.